Et puis tu as aimé la bouffe? Si, j'ai aimé. Et toi, t'as bien? Oui, ça va très bien. On va partir. Non, sauf qu'on ira où? Mais tu regardes qui? C'est là-bas qui te plaît. Là, il n'y a pas de soucis. On attend la discussion. Chaque fois que tu dis que ta femme te prendra tout ou quoi. Je l'ai vu tout à l'heure avec un homme, ils sont tous amourachés. Tibi, Libi. Oui, il faut venir tout de suite, mais si tu viens, tu me vois, tu ne me connais pas. On ne se connaît pas. Fais vite, fais vite, fais vite. C'est encore une de tes chéries, non? Non, non, non. C'est encore une de tes chéries, non? Non, si. Comment il peut te faire ça? Tu aimes ça, hein? Ah, pourquoi ne pas aimer ça? C'est que j'aime ça. Ouais, j'aime les deux. Attends, 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 qu'est-ce que je vois comme ça? Non, c'est avec cette histoire, quoi. Non, c'est avec ce gros poil, attends, tu me trompes. Non, mais c'est qui ce monsieur-là? Il est quoi pour toi? Attends, c'est avec ce gros poil. Il est qui pour toi? Et tu viens dans ce. C'est mon mari, en fait. C'est avec lui, je me suis officialisé, c'est avec lui. Mais est-ce qu'il sait que tu gères busy? Non, il ne sait pas. Attends, qu'est-ce que j'entends comme ça? Calme-toi. C'est quoi comme tu. Je te suis pris dans un bar avec un homme et tu me dis que de me calmer. Arrête de me toucher là. Qu'est-ce que c'est là? Tu es malade? Tu veux m'expliquer quoi? Laisse-moi d'abord. Si tu veux, vas-y, je t'écoute. Tu veux savoir pourquoi je me comporte comme ça? Tu es malade? Tu viens de répéter. Non, mais tu veux me dire que tu es un mari. Et je suis quoi? Tu es mon mari. Et je suis quoi? Mais j'entends, tu es mon mari là. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu as pour avoir le pouvoir sur moi de parler comme ça? Oui! Qu'est-ce qui te donne le pouvoir de me parler comme ça? Tu me tais. Qu'est-ce qui t'a donné le pouvoir de me parler comme ça? Ok, tu es mon mari donc. Qu'est-ce que tu me donnes en tant que femme? Oui, qu'est-ce que tu m'apportes en tant que femme? C'est quoi ce que je dis? Qu'est-ce que tu m'apportes? Si tu ne me reprends pas, je vais te dire. Tu m'as. Donne-moi la clé de la voiture. Quoi? Déjà, donne-moi la clé là de la voiture. Qui t'a acheté la voiture? Qui t'a acheté la voiture? C'est moi, tu renonces. Est-ce que tu sais que je suis en train de travailler comme ça? Toi, tu ne sais pas que moi, je gère visé pour te nourrir. C'est grâce à ça que tu as pu avoir la voiture. C'est grâce à ça que tu as pu avoir ce que tu portes là. Et tu es debout comme un homme. Et tu oses venir me voir pour me dire que je fais ci, je fais ça. Moi, tu peux même faire jalousie. Oh shit! Toi, tu es un homme. Qu'est-ce que tu me fais? En tant qu'homme, dis-moi. C'est moi, tu portes comme ça en plus. Je dis, c'est moi, je te nourris, je te fais tout. Tout ce que tu as sur ton corps, du haut jusqu'en bas, c'est moi. C'est mon argent qui a fait ça. Et c'est ce que je fais pour montrer ça. C'est ce que je fais pour nourrir ça. C'est busy là. Que je fais pour te nourrir. Ça ne va pas sur toi. D'abord, je vais régler le problème. Ce que je vais te demander là, ouais. On ira pas à pas. Où est la clé de ma chambre? Où est la clé de ma chambre? Tu n'as pas gardé ça? C'est ça. Ok, merci. Ça, c'est la clé de ma voiture. Tu vas marcher pour. Donne-moi le téléphone. Puisque c'est à cause d'avec le téléphone, on a pu. Je ne sais même pas qui t'a appelé, qui t'a informé. Et tu es venu. Tu te tais quand je parle. Parce que tu n'es pas un mari, c'est moi le mari. Tu m'entends bien? C'est moi le mari. Bon, enlève-moi l'habit. Jésus! Enlève-moi ce que je te gifle. Enlève-moi ce que tu as porté. C'est moi, tu regardes comme ça. Je m'amusais. Je m'amusais. Si tu voulais t'amuser, tu n'allais pas t'amuser. Tu allais t'amuser. Ça ne va pas. Enlève-moi la vie. J'ai dit d'enlever la vie. Enlève-moi la vie. Ça ne va pas sur toi. Enlève-moi ce que je te gifle encore. Enlève la vie. Et si ça ne va pas sur toi. Enlève. Voyez. Moi, je me bats. C'est un gars qui m'a. Tu sais comment on me pisse au lit avant que je ne t'accepte des trucs. Avant que je ne te. C'est pas fini. Chérie, je m'en fous de toi. Tu n'as pas pitié de moi, non. Tu es venu me. Tu es malade. Moi-même, là, ça ne va pas. Je vais te gifler. Regarde, moi ça. Ce que tu as au cou, tu m'enlèves ça en même temps. C'est mon argent qui a acheté. Il y a. Maintenant ça va. Tu m'enlèves ça. Merci. Je vais te gifler. Je vais te gifler. Même l'élastique que tu as pris pour attacher ta cheveux là. C'est mon argent qui a acheté ça là. Pléoé à nous, annoncer des dieux. Je ne veux plus te voir dans mon champ. Je te dis même dans ma maison. Je te dis, je ne veux même plus te voir dans le quartier. Tu m'entends? Je te dis, je ne veux même plus. On a des problèmes. Et ça là, la semaine.
Je devais apprendre ça. Dit, mais tu sais pourquoi on a des projets. On a des projets. Projet de quoi? On a des projets. Que moi je te donne de l'argent. Ça là, si je n'ai pas pris ça, faut comprendre. En fait, c'est pas j'ai pitié de toi parce que tu m'as déjà couché. On a eu à faire ça plusieurs fois. Sinon, j'allais enlever ça là aussi. Oh, pardon. Tu vas laisser ma main. C'est Timéni. Est-ce que c'est Timéni? Bon, souci. Vous n'avez pas de police. C'est Timéni, hein. Tu as dit mon moto que tu vas. Malade comme ça. Bébé, c'est bon.